Thierry. Salut. Comment ça va? Bonjour. Bon, ben tout le monde est assis. Ça enregistre, Thierry, ça enregistre. Là, ça enregistre. C'est bon, drôle, ouais, c'est ouais. Ça fait-tu drôle que je sois la fille au bout? Ben non. Non? Non, il n'y a pas de place à suivre. Bienvenue à tout le monde, nous sommes l'épisode 97 du podcast LFA. Ce soir, un thème important, peut-être pas aussi important que la semaine qu'il y a deux semaines, mais tout de même, on va parler de soie dentaire et de la Belgique. Donc, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Fait que vous pouvez voir effectivement la collection de soie dentaire et quelques bandes dessinées belges. Il me semble que tout est belge, hein? Tintin, Astérix, puis Gaston Lagaffe. Les autres, je suis pas certain. Astérix, c'est Goué-Ouest, c'est un français. Tintin, c'est belge. C'est pas français. Mais Uderzo, il est pas belge? Non. Ben peut-être, je sais pas. Ouais, c'est pas grave, regarde, si Astérix, il est belge. Son deux, peut-être que j'ai un des deux qui doit être belge. Ouais. Écoute, on n'est pas un affaire prêt. Et nous sommes vendredi, le 10 décembre 2021. Bon épisode. Ah, puis il faudrait que je me présente. Hein. Moi-même, Renaud Havard, à l'animation du podcast. Vincent, le quatrième frère Havard. Vincent, merci d'être là. On s'est ennuyé de toi, on est content. Ben oui, ça fait longtemps. Merci de l'invitation. Écoute. On s'en va à l'autre bout complètement. Oh, Camille, diplômée de l'école Saint-Sacrement. Merci d'être là cette semaine. Plaisir. Thierry à la technique. Donc cette année, aujourd'hui, on a tout un setup. Et finalement, nouveau à l'épisode, première fois à l'émission. C'est ça. On a un alcoologue qui est avec nous cette semaine. Donc Simon Lepage qui est avec nous. Comme la colle Lepage. Oui, comme la colle Lepage. Comme la colle Lepage, ben c'est ça. Est-ce que c'est parents? C'est parents. C'est mes ancêtres. J'ai entendu quoi de spécial aujourd'hui, ben cette semaine, à propos de la colle Lepage. Elle supérait tous les ingrédients dans la colle Lepage, c'est des ingrédients naturels. Ben, du poisson, là, entre autres, non? Ouais, c'est ça, il y a plein d'affaires, puis que dans certaines bouffes, il y a de la nourriture aussi qui met de la colle à bois dedans pour faire tenir le tout. Faudrait que je check, là. Mais on mange ça. Ok, regarde, je vais faire mes recherches après l'épisode. Premièrement, ça se mange, la colle Lepage. Oui, ben, c'est la colle à bois, c'est pas comme la colle Lepage. Le papier mâché, là. Tu mets du papier dans ta bouche, tu mets de la colle Lepage, puis tu manges. Mm-hmm. On crache ça, laisse ça sécher, puis c'est comme ça qu'on fait de la papier mâché. Ben ouais, c'est là que ça vient. C'est pas comme ça qu'on faisait, nous autres, à l'école, ça sacrement. En tout cas, je vais faire des recherches, là. J'arrive ici vraiment pas préparé, là, mais je vais rechecker ça. Ben, sinon, je sais pas si vous savez ça, mais en France, on n'est pas obligé de se passer à la soie dentaire. On n'est pas obligé sinon plus. Mais c'est qu'en France et en Belgique, ils disent pas soie dentaire, ils disent fil dentaire. Ben oui. Ah, oh, OK. Ben c'est la même affaire. C'est la même affaire, mais c'est juste qu'ils disent pas le même mot. Si tu dis soie dentaire à un français, c'est pour ça qu'il va te dire, genre, non, je sais pas c'est quoi. C'est parce que les autres, il faut que tu leur dises fil dentaire. C'est pas le même dialecte. Puis quand tu mais c'est pas obligé quand même. Quand tu fais la file dentaire à la clinique, c'est pour passer entre les dents du prochain. Mais tu dis qu'en France, c'est pas obligé. Pourrais-tu. C'est pas obligé ici aussi. Ouais, mais c'est ça, c'est pas obligé ici. Pourrais-tu élaborer là-dessus? C'est pas obligé, patin. Mais à chaque fois que tu vas voir le dentiste, il te fait filer cheap. Parce que t'es passé sur le dentaire. Non, ben, tu devrais en rester. Non, vouloir un autre truc de soie dentaire. Je vais te dire, je l'ai pas passé. Là, j'en ai 14. Là. Mais j'ai trouvé un truc, moi, pour éviter cette question-là. Genre les deux semaines avant. Parce que comment ils voient que tu. En tout cas, ce que j'ai cru comprendre en jasant avec des gens. C'est pas que ça saigne, oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que tu vas avoir comme une espèce d'inflammation sur tes gencives. C'est comme ça, tes gencives vont enfler un peu quand tu passes pas à soie dentaire. Fait que eux, ils peuvent le spotter. Fait que là, tu passes à soie dentaire comme une semaine ou deux avant ton rendez-vous, t'as passé à tous les jours, pouf, tes gencives redeviennent correctes. Moi, en tout cas, la dernière fois que j'ai essayé le truc, la dernière fois que j'étais chez le dentiste, il a rien dit sur ma soie dentaire, même si je m'en suis passé juste intensivement une semaine avant. Là, j'ai pris mon rendez-vous là, pour 2022, là. Fait que je comptais essayer la même chose, voir si c'était juste un coup de chance, une hygiéniste qui était dans l'une, ou si... C'est une hygiéniste qui t'avait donné le truc? Non. Ah non? OK. Mais tu sais, c'est quand même, c'est de la triche, ça. Ouais. Mais moi, je me suis toujours demandé, ça serait pas plus simple de se colmater les dents, de mettre un petit peu de poté, colmater les brèches plutôt que de tout le temps. Mais moi, je me demande, moi, je suis pas... C'est pas des brèches, c'est que l'affaire... tout le temps. J'ai fait des recherches sur la soie dentaire. C'est que, en fait, tu brosses tes dents, mais tu peux pas enlever le tartre qui va... entre tes dents et ta gencive. Le seul moyen d'enlever le tartre, là, le tartre, ça cause la gingivite, mais ça cause aussi plein de maladies cardiaques.
comme des, ouais, tu peux avoir des problèmes pulmonaires aussi en lien avec ton hygiène buccale. Fait que c'est full important, dans le fond, de se passer à soie dentaire. Puis, moi, ce qui m'avait convaincu de me passer à soie dentaire, c'est une anecdote de beau-père qui a perdu sa palette en avant. Il a perdu sa palette à cause qu'il devait se faire arracher, puis c'est à cause qu'il passait pas sa soie dentaire qu'il devait se faire arracher à cause de toute la tarte qui avait été accumulée là. Il a perdu sa palette. Tu sais, ça fait un sourire assez première c'est année moyen. De primaire. Le dentiste m'avait dit ça aussi, que quand je me passais pas à soie dentaire, elle me disait « si tu le fais pas, tes dents ils vont tomber parce que tes gencives vont être trop faibles. » Est-ce que c'est sûr que tes dents tombent si tu passes pas à soie dentaire? Tu sais, je sais pas. Là. Ben, c'est quelque chose de, ben, surtout les si hommes tu de la génération de notre pépère, tu sais, à 30 ans, ils commençaient à perdre leur temps, puis à 40 ans, il y avait un dentier, puis c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est moins commun. Ben, parce qu'ils recommandent de brosser des dents. Ouais. Ouais. Mais là, j'ai arrêté de la passer parce que je la passais tellement souvent que là, ça me créait des affaires, ça me créait comme des espaces entre les dents. J'avais plein d'affaires pognées entre les dents. Puis là, le monde, il me regardait. Moi, j'avais l'impression qu'il me dévisageait pour me dire comme « Hey, la fille, tu te passes pas à brosser à dents tout va de temps en temps. » Mais c'est parce que je me passe tellement souvent à soie dentaire puis je me brosse tellement souvent les dents que ça rentrait. Fait que j'ai arrêté. J'ai modéré, tu sais. Excuse-moi, attends, il y a un papier avec des noms écrits puis un chiffre à côté. Ah, ben ah oui. Ouais. C'est le pool du podcast. Okay, okay. Parce que je vous ai envoyé la demande en début de saison. Là. Choisissez vos joueurs là, pour le pool du podcast des Frères Avoir. Personne qui m'a jamais répondu à part Rémi, l'ex-gestionnaire de la page Facebook. Moi, tu me l'as pas envoyé. Ouais, tu l'as pas encore dans le podcast. Okay, c'est bon. Rémi, l'ex-gestionnaire de la page. Ah oui, Rémi. Ouais. Je sais même pas c'est qui. Moi, je pensais qu'il faisait plus partie de l'équipe. Ouais. Ben, il voulait participer au pool, puis il m'a répondu, il a envoyé ses choix. Fait que pour vous, ben, je vais sélectionner des joueurs. Là. Fait que là, c'est ça les résultats en ce moment. C'est Thierry, il est en tête avec 262 points. C'est pas vrai qu'on fait des points. C'est quoi ces chiffres-là? Ben, c'est les joueurs et les équipes que tu as choisi. Mais c'est quoi que j'ai choisi, quelle moi? Équipe? Ben, vous irez voir sur le site. Là, c'est Thierry, tu mènes. T'es à 262 points. Après ça, c'est Marie, c'est à 259. Julien, 250. Vincent, 235. Mathieu, 231. Rémi, t'as 224. Moi, 177. Puis Camille, il ferme le bal à 150. Ah, OK. Fait que t'as choisi le plus poche pour moi. C'est ça que t'es en train de dire. Ben, sinon, moi, j'avais de quoi, mais c'est ni sur la soie dentaire, ni sur la Belgique. Ben là, on l'a dit d'abord. Attends, j'ai une petite affaire avant. Il y a des techniques hein, aussi de passage de soie dentaire. Là. Il y en a que c'est juste un aller-retour de même, mais en fait, il faut vraiment faire une courbe. Quand tu passes ta soie dentaire, il faut que tu rentres et tu vas vers l'intérieur de ta dent. Il faut que tu fasses les contours de la dent. Tu fais juste ça, tu fais juste pousser le tartre dans la gencive, c'est pas... Le va-et-vient qui va avec. Vraiment une experte, dans le fond, c'est fun que tu sois là, parce que vous aurez manqué. Il faut vraiment faire le rongle là-dedans, puis aller même en arrière des molaires. Êtes-vous hygiéniste ben, dentaire au temps libre? L'histoire le dit pas. Moi, je me suis fait arracher les dents de sagesse, pour que ce soit moins de troubles. Ouais, ça en fait une de moins. Ben. C'est compliqué à aller les chercher, là, pour passer à son dentaire. Ouais. Creuse la gencive. Ah, mais tu sais, il faut quasiment se rentrer le point dans la boule là, pour essayer de. Ouais, c'est sûr que ça élargit le spectre. Tu sais, il faudrait peut-être quasiment avoir un petit zipper de même ici. Puis ça. Il y en a maintenant qui prennent une petite brosse. Genre des petites brosses. Il y a ça. Puis il y a aussi bâton, comme un. Tu sais, pour nettoyer la vaisselle, ça ressemble à ça. Là. C'est comme une brosse en forme de cône où c'est plein de petits poils, puis tu passes ça entre les dents. Mais là, je vois que le dentiste t'en a pas donné la dernière fois. Là. Mais il y a une autre option. Mais ça chatouille un peu. J'aime pas ça être chatouillé. Des gencives, hein? Chatouilleux des gencives. Moi, ce que je voulais dire, parce que quand même, on est un podcast de Tétroville, puis j'avais une grosse nouvelle de Tétroville, et puis ça concerne un peu Longue Pointe aussi, je pense. Oh. C'est que dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, parce qu'il y a Longue Pointe, parce qu'il y a Tétroville, puis tout ça, ben, il va y avoir un projet pilote que les ordures, les poubelles noires, vont être ramassées aux 2 semaines. Puis moi, quand j'ai appris ça, j'étais comme toi, j'étais en mot à dit. Ben j'étais oui. en mot à dit. Hey, moi, je me donne du trouble. Je pensais que c'était au mois, calvaire. Je mettais ça au mois, puis là, j'apprends que c'était pas au mois, c'était à la semaine, puis là, ça tombe aux 2 semaines. Mais il faut les lire, les petits dépliants, là, C'est quoi le but? Réduire la quantité de déchets. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a 35% d'une poubelle typique
qui est soit du recyclage, soit du compost. Fait qu'en réduisant le nombre de fois que tu collectes, parce que tu devrais faire plus attention. Faire de la batterie plus. Je pense qu'il va y avoir des déchets dans la rue partout. Je sais pas comment c'est à Montréal, mais où est-ce que j'habite, ils ont fait ça. Ça se fait à Toronto, ça se fait dans plein de villes, ça se fait à Saint-Hyacinthe. Mais moi, ce que j'habite aussi, c'est comme ça. Ça réduit la quantité de déchets. Parce que le monde s'achète une deuxième poubelle, après ça, fait qu'ils remplissent deux poubelles au lieu d'en remplir juste une aux semaines. Je sais que quand j'étais à Chicoutimi, on voulait implanter ça, puis ça a été vraiment mal reçu par les gens. Mais sans blague, je mets ma poubelle au chemin une fois par mois. Ouais, ok. Fait que moi, la seule affaire, c'est que c'est un stress supplémentaire, parce que là, si tu manques ton deux semaines, c'est plus long avant de pouvoir. Moi, c'est plus ça qui est comme plus. Dans mon coin aussi, c'est une semaine sur deux, les vidanges, mais c'est ça, c'est si tu l'oublies une semaine. Et là, tu as encore un autre deux semaines avant de pas aller porter tes déchets aux arrêts d'autobus, parce que si tu fais ça puis tu te fais pogner, c'est 150$ d'amende. C'est pas vrai! C'est ça. C'est écrit. Non, mais pour vrai, ce qui est intéressant, puis là, ce que j'ai vu, c'est pas en Belgique, c'est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il n'y a pas de collecte des ordures sur le bord des maisons. C'est recyclage puis de compost. Non, il n'y a pas de camion qui passe pour rien. Fait que c'est sur certains coins de rue, dans les quartiers centraux, avec une densité, il faut qu'il y ait quand même une certaine densité. Puis t'as les espèces de poubelles, puis justement quand tu pars au marché puis tout ça, ben t'amènes ton petit sac. Comme un gros container. Puis c'est le gros container qui est sous terre, puis là après ça, le camion de poubelle il arrive, il soulève la poubelle, il vide ça. Fait que t'as jamais à te dire quand est-ce que je mets mes poubelles, parce que puis parce qu'il y a des poubelles à tous les coins de rue. Puis tu sais, mettons, il y a du monde, moi j'habitais à côté d'une poissonnerie, maintenant j'allais tout le temps jeter mes vidanges dans le container de la poissonnerie, mais quand le gars il m'a pogné, je me suis fait lancer un poisson dans. Tu comprends au moins, tu peux me dire, hey, merci, je vais pouvoir manger à soir. Un bon saumon. C'était pas un bon poisson du présentoir. C'est le cœur au micro-ondes, c'est correct. C'est vrai. Fait qu'il est rendu quelle heure? As-tu encore des choses à dire sur la Belgique? Puis sur. On n'a rien dit sur la Belgique. Fait que là, il y a les banques dessinées. Par rapport à la soie dentaire, tu sais, moi, comme le kiwi, il y a deux semaines, je me suis jamais passé la soie dentaire. Il faut que tu déroules jusqu'à 30 cm. Tu peux parler de la technique de comment tenir le fil. Ça, tu le peignes, ça, tu l'enroules autour du doigt. Faut pas que tu l'enroules trop serré autour du doigt parce que tu peux te couper la circulation. Moi, c'est ça le problème. Je l'enroule. Puis là, à la fin, plus que j'avance, plus je me dépêche, parce que mon doigt ici, il devient mauve, puis il grossit. Puis je me dépêche. Mais tu fais ça? Ouais. Il est vraiment un pro. Il n'y a rien. Mais oui, mais attends, tu sais, c'est pratiqué avant. C'est la tarte. Tu me dis qu'il y a de la tarte là-dedans. Du tarte. Pas de la tarte. 30 cm de long. Ça, c'est un bon fil. Je vais vous expliquer pourquoi il ne s'effiloche pas. Sur dentaire, utilisable. Là, moi, je peux essayer. Tu bats trop le main. J'ai jamais essayé ça. Prends entre, mais tu ne roules pas tout ce que tu as roulé. Moi, je roule. Parce que tu te déplaces. Ouais. Parce que tu peux pas te passer sur dentaire et sur dentaire sale, c'est ça? Non. Fait que tu te tasses toujours un peu. On s'en va loin, là. Mais là, l'aspect Belgique, qu'est-ce que tu voulais, où est-ce que tu voulais aller? Les gaufres, les biscuits, les bandes dessinées, le pays. La bande dessinée, on fait des bandes dessinées ici. Le chocolat aussi. Il y a plein d'affaires, on peut parler de Belgique, là. Moi, j'aime bien ça faire des petits montages photographiques. J'ai fait un montage de Renault en Tintin. J'ai mis ça sur la page Facebook. Oui, oui. Tu l'as fait? On a eu une dizaine de likes. Il y a tellement d'affaires sur la page Facebook. Un poster. Tu aurais pu mettre la tasse, là, mettre en poster. Puis Vincent, tu l'as fait en qui? Vincent, c'était Gaston Lagaffe. Il y a eu un film, Gaston Lagaffe, en vrai. Il y en a eu, non? Oui, puis j'ai fait ça. C'est pas bon. Je l'ai pas vu, mais je suis pas sûr. Mathieu n'est pas là, mais je l'ai fait en Avril Dalton. L'illusion est quasiment parfaite. Julien est en Spirou et Fantasio. Les deux. Puis moi, je me suis mis en Astérix et j'ai fait Camille en Valériane et les mille planètes parce que c'est dur de trouver des personnages BD féminins. C'est qui Valériane? C'est un film de Luc Besson d'il y a quelques années. C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée, c'est ça. Mais je ne sais pas si c'est belge, par contre, je pense que c'est plus français. Mais bon, la bande dessinée belge, c'est un art à part entière en Belgique, Renaud. C'est la ligne claire, le style Tintin, le style graphique peu exubérant, mais qui correspond à des choix précis et rigoureux. Ma source, c'est Wikipédia. Puis, je peux finir tous mes sujets. Savez-vous c'est quoi l'ADN de la frite belge? La frite belge. Son ADN. Je dirais que c'est la patate. Ce serait la réponse logique. Il y a des patates, ça c'est vrai, mais c'est pas ça. Non. Mais le potassium, je vous donner un indice. C'est la friture dans laquelle ils font frire? C'est dans ce coin où on la fait frire, oui. OK. C'est pas de l'huile d'arachide? Non, pas de l'huile d'arachide. C'est la graisse de bœuf. Ah ouais? Puis la frite belge, je la fais frire une première fois à 140 degrés. Alors ça, t'en sors.
Après ça, tu la remets à 190, puis elle va être bien croustillante, puis là, ça va goûter le gras de bœuf. Mais si tu dévis de une de ces étapes-là, du choix de gras et du degré, est-ce que ça devient plus une frite belge à ce moment-là? C'est plus une frite belge selon la tradition. Mais même si tu es en Belgique et tu fais des frites, ce ne sont plus des frites. Ben, mettons, tu fais chez McDo en Belgique, ils ne font pas des frites de même, c'est pas des frites belges. OK. Fait que ça, c'est que ça envoie aussi un message à tous ceux qui font de la poutine à l'extérieur du Québec. Là. Ça, avec des frites belges, je pense que ce serait meilleur qu'avec les maudites frites de la cantine à Pico. Les frites brunes molles, c'est ça, ouais. Les maudites frites de cantine québécoise, je sais pas c'est quoi qu'on... Non, mais à l'extérieur du Québec, souvent, les poutines, c'est pas du fromage en crotte. Ouais, c'est pas du fromage en crotte. C'est ça, ils ont souvent du fromage. J'ai mangé une poutine que le fromage était du gorgonzola, puis qu'est-ce, mon gars, c'était un orgasme buccal. Ah ouais, c'était bon, une poutine au gorgonzola. C'était bon. Merci à tout le monde d'avoir été là. Un beau voyage au pays de la soie dentaire, de la Belgique. Vendredi le 10 décembre, on se revoit dans 2 semaines pour fêter Noël avec vous pour le 24 décembre. Parce que cette année, on en profite, ça tombe pile le vendredi. 7 plus 7, 14. Ouais. Ben 14 ouais. Plus 10, 24, 24 décembre, Noël. Ah ouais, fait qu'on va être là le 24 décembre. Si vous voulez nous écouter en direct, ben, on va pouvoir être avec vous. Sinon, écoutez-nous en rediffusion. C'est pas grave. Camille? De diplômé de l'École Saint-Sacrement, Simon Lepage, qui est parent avec l'École Lepage, mais aussi alcoologue. Il n'y a pas beaucoup parlé d'alcool, mais peut-être que pour... Un prochain sujet. À Noël, l'alcool, la coule à flot. Ben, c'est ça, peut-être que ça va être plus le temps. On va y aller, au fond. À l'animation, moi-même, Renaud Avant, Thierry à la technique. Thierry, merci, beau travail aujourd'hui, ça paraît. Et Vincent, quatrième frère Avant, merci d'avoir été là. On se dit à Noël. À Noël! À Noël! C'est qui, Benoît? C'est qui, Benoît? C'est qui ça?